nous expérimentons un nouveau dispositif, réfléchissez-vous. Un travail de pédagogie qui est fait auprès du public scolaire pour les accompagner dans la prévention de tous les risques qui sont liés à l'environnement de l'école et en particulier les risques automobiles. En partenariat avec la MAIF, avec le service, la direction de la jeunesse et de l'éducation et la police municipale, eh bien, nous travaillons à sensibiliser le jeune public au travers des ALAE pendant le temps périscolaire pour bien les prévenir des risques qui les entourent une fois qu'ils ont quitté l'école. Nous avons comme mission de protéger les enfants selon les risques qu'ils peuvent encourir, que ce soit des risques domestiques, des risques routiers, des risques majeurs même, et ou les risques numériques. Justement pour sensibiliser les enfants aux règles du code de la route, et notamment la traversée après l'école la nuit. Donc là, ici, on est en train de les sensibiliser, en fait, à ce qu'ils peuvent faire ou porter, en tout cas, pour être vus la nuit tombée. Voilà, toutes les règles, en tout cas, pour traverser en toute sécurité la route. Il faut toujours avoir un gilet jaune ou quelque chose, parce que si on traverse et que la voiture ne nous voit pas, on peut se faire écraser. Écoutez bien, et puis soyez bien prudents. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir.